Maintenant, par rapport à couper les seins des femmes, on sait que les femmes, elles vont allaiter, elles allaitent les enfants. Donc, Mouto, elle devait allaiter, bon, c'est la femme, c'est le sein, ainsi de suite. Donc, le but d'arracher les seins, les parties génitales, tout ça, de la femme, tout ça, là, c'est toujours défaire. Le but, c'est de défaire la première femme, donc Mouto. Celle que vous appelez Ève, mais ce n'est pas son vrai nom, c'est Mouto. C'est de défaire l'image de la femme et défaire l'image de l'homme du début de la création. Apocalypse chapitre 17 au verset 16. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête, non, que tu as vues et la bête haïront la prostituée, ils la dépouilleront, non plutôt, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs. Et consumera par le feu. Ézéchiel 23, verset 3. Ézéchiel 23, verset 3, il est dit: elles se sont abandonnées dans leur jeunesse, deux points. Là, leur saint fut déshonoré. Et leur virginité fleurit, point. Flétrit plutôt, point. Donc, vous voyez ici, les crimes rituels que vous voyez actuellement en Afrique, un peu partout, même en Europe ou en Amérique. D'autres vont juste couper les têtes des gens, couper les mains, et puis envoyer ça comme ça là. Parce que quand vous faites du business avec eux, tu es à vous allez escroquer des millions de dollars. Eux, ça passe pas. Ils vont te découper, 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 et puis t'envoyer. Parce que c'est le même démon qui est derrière pour défaire l'œuvre de l'Oba. Et en même temps, il y a les démons de la richesse visible. Donc, c'est plusieurs démons qui agissent en fonction du crime, en fonction des pays, en fonction des loges, en fonction des sacrifices.